citoyen mondial des cinéastes Manuel de Oliveira, qui s'est éteint jeudi à l'âge de 106 ans après une très longue carrière qu'il a menée du film muet à l'ère numérique. Le réalisateur mythique a été inhumé dans le caveau familial au cimetière d'Agramonte à Porto, sa ville natale au nord du Portugal, en présence de plusieurs personnalités de la culture, dont un de ses acteurs fétiches, John Malkovich, était aussi présent pour ce dernier hommage. Le président Aníbal Cavaco Silva et le premier ministre Pedro Passos Coelho. Le grand maître du cinéma portugais, la longévité record, a réalisé près d'une cinquantaine de films et documentaires. Parmi les plus connus figurent La Divine Comédie, La Cassette, Partie, Je rentre à la maison ou encore Belle Toujours.